côté opportuniste. C'est le nom de la game. Il faut être, comme tu dis, quand tu as des laissés passer, faut être opportuniste. Il faut capitaliser sur les erreurs. Et puis, on était capable de faire ça aujourd'hui. C'était une game très excitante. Et puis, j'adore voir notre équipe jouer. Là. J'aime la pression qu'on cause là, avec les équipes adverses. Tu dis que c'était une game excitante. C'était pas un festival de circuit comme on a vu contre le New Jersey. Même hier, le ralliement 4-0, finalement 9-5. Toi, excitant pour toi ce soir, c'est quoi? Tu peux-tu détailler un peu, justement? C'est du beau baseball. J'adore le baseball. Et puis, ça, c'est une game d'aval. C'est un pointage de 3-2. La pression tout le long du match. Ça montre beaucoup de tu sais, les gars, là, ils ont foncé toute la journée. Les lanceurs sont venus lorer avec la grosse situation. Aucun retrait. Troisième but, deuxième but. S'en sortir avec un point, là, c'était énorme. Donc, Price qui vient, qui ferme la porte. Aucun but sur balle. Et puis, Valiquette qui rentre dans sa première situation là, avec un peu de pression. Très heureux là, de tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Le trio Lauric, Kreis, Valiquette, on va le voir souvent cette année. Il était là hier aussi. C'était le plan ce soir, si le match demeurait serré, de répéter l'exercice d'hier. Oui, absolument. Hier, tu sais, c'était plus parce que Kreis et Valiquette n'avaient pas lancé sur un bout. Donc, on voulait les mettre sur le monticule. Et puis, de là, ouais, c'est pas mal ça qui va se passer. Mais en même temps, on peut rentrer n'importe quel gars dans n'importe quelle situation. Le 7, 8, 9, les 3, je crois qu'ils sont capables de faire la job. Donc, on va voir les situations. Et puis, si ça colle de Valiquette en 8e et Price en 9e, on va voir là, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Si l'envie d'Alvarez ce soir, quand même assez concluant. T'as vu ça quand même? Ouais, non, il a fait une très bonne job. Il a été capable de lancer beaucoup de prises. Et puis, très heureux, là, il les a gardés hors ballon tout le match. Donc, mon chapeau à Alvarez. C'était une grosse sortie. Il en avait besoin. Et puis, de là, ça faisait 2 semaines de son premier départ. Donc, 13 jours. Je suis sûr que ça faisait longtemps qu'il l'attendait. Et puis, il était très anxieux. Donc, je suis content pour lui. Parfait.